Shalom, pour terminer, ce que j'ai donné ici est un peu dangereux. Pas pour vous, mais pour toute entité qui osera vous toucher. Mais celui qui n'a pas de courage et qui ne vit pas la spiritualité ne peut pas le faire aussi. J'ai bien dit ça d'abord. La haute protection. Et c'est simple, simple, très efficace et puissant. Vous allez chercher du farine de maïs. S'il n'y a pas farine de maïs, cela ne marchera pas. Vous cherchez farine de maïs. Vous allez prendre un complet grain de piment de Guinée à Takwa Kwalko. Et vous prenez une bol. Et vous allez ouvrir les graines de piment de Guinée. Aucune de graines ne se perd. Si une perdre, cela ne marchera pas. Aucune de ces graines ne soit perdue. Et vous mettez le farine là un peu, au moins une poignée. Une poignée, ou bien pas trop, bien rempli, dans une bol. Les graines minaflebies, vous allez enlever ça de leurs écorces, puis enlever complètement tout autour pour que les graines soient propres. Et vous renversez ça maintenant sur la farine de maïs. Maintenant, vous allez ajouter de l'huile rouge et puis vous allez faire comme si de la farine. Et vous allez faire comme une pâte, quoi. Vous allez faire bien pour que ça, tout ça va être un peu tout clair. Soit à 0,1. Vous allez prendre quelque chose pour nettoyer bien le sol dans votre chambre, face l'est. Vous nettoyez correctement le sol. Et vous allez prendre cette nourriture-là, vous mettez ça sous le sol. Ce que je vous donne là, personne ne peut autoriser au monde invisible de terre de vous attaquer. Les maladies et autres ne peuvent pas se manifester sur vous. C'est le secret de ça. Maintenant, lorsque vous avez mis ça par terre, vous allez vous enjeûner. Vous allez vous enjeûner. Les bras, vos paumes de main ne toucheront pas le sol. Non. Ce que je vous donne, c'est sacré, immortel. Vous dites, seul Jésus-Christ suffit, oui. Je ne refuse pas. Tu n'as plus besoin de ça. D'accord? Voilà. Maintenant, avec votre bouche, vous allez prendre la pâte là, et puis un peu, vous allez, vous ne devez pas marcher. Milan, non. Vous allez prendre avec votre bouche un peu, faites tout possible, vous avalez. C'est pourquoi la farine ne doit pas être trop beaucoup. Vous prenez. Vous prenez votre main derrière comme ça, quoi. Et vous vous enjeûnez, vous prenez avec votre bouche. Vous restez toute cette nuit, vous fermez votre chambre. Face à ce que personne ne fait. Et avant de le faire, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je suis protégé. À partir d'aujourd'hui, je suis protégé. Par le pouvoir des quatre éléments. Terre, eau, feu. Et R. Aucun féticheur ne peut faire des incantations. Je dis, aucun féticheur ne peut faire des incantations pour utiliser une gousse de piment de Guinée entière. Bessato de Nosakbe, à Takun, à Parukua. Aucun féticheur ne peut faire des incantations et utiliser entièrement une gousse de piment de Guinée. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis protégé contre toute maladie, source de tout. Quand tu as fini de parler comme ça, c'est-à-dire que tu prends ta bouche, tu prends les compositions, tu avales, jusqu'à ce que tu avales tout. C'est fini. Quelques secondes après, tu peux prendre un peu de l'eau. Un peu, ça va aller, puis c'est fini. C'est la protection contre les forces invisibles. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Plus 229,
le 95 26 41 46. Père Raphaël, le Béninois. À très bientôt. Shalom.